Bonjour, dans cette vidéo je vais te présenter quelques formes géométriques, quelques figures géométriques particulières qu'on appelle les quadrilatères. Alors quadrilatère, on va examiner un petit peu le mot. On a déjà ce préfixe-là, quadri. Quadri en latin, c'est quelque chose qui a quatre quelque chose. Donc un quadrilatère, c'est une figure géométrique qui a... Quatre quelque chose, et c'est quelque chose en question. Eh bien, c'est ça. C'est indiqué dans ce, par cette partie-là du mot. La terre, ça vient du latin aussi, et ça indique en fait les côtés. Donc, un quadrilatère, c'est une figure géométrique qui a quatre côtés. Une figure géométrique qui a quatre côtés. Alors évidemment, il faut bien comprendre ce qu'est un côté. Et ce qu'on va appeler un côté, c'est un segment de droite. Donc, un quadrilatère, c'est une figure à quatre côtés. Et on va préciser un petit peu ça en disant qu'en fait un quadrilatère c'est une figure qui a quatre côtés et qui est fermée. Qui est fermée. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire une figure fermée Bien, Je vais te dessiner quelques exemples. Ça, par exemple, c'est une figure fermée. Par contre, ça, c'est une figure qui a un, deux, trois, quatre côtés, mais elle n'est pas fermée ici, puisque les... Les deux extrémités de ces segments-là ne se rejoignent pas. Donc ça, ce n'est pas un quadrilatère. Voilà. C'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est une figure géométrique fermée. Donc je t'ai préparé quelques figures géométriques, les voilà, et on va euh, supprimer celles qui ne sont pas des quadrilatères. Alors je commence par la première. Ça, c'est une figure qui est faite avec des côtés, hein, des segments de droite, mais il y en a un, deux, trois, quatre, cinq. Donc c'est une figure fermée, formée de côtés, mais elle a cinq côtés, donc ce n'est pas un quadrilatère. Donc celle-là, je vais la supprimer. Ensuite, on a celle-ci. Alors, celle-ci, elle est formée de côtés aussi, et il y en a un, deux, trois, quatre. Donc, ça, c'est effectivement un quadrilatère, c'est une figure formée de quatre côtés et qui est fermée. Donc, ça, c'est un quadrilatère, je la garde. Cette figure qui est là, elle a un, deux, trois et quatre. Côté, mais le problème c'est que ce côté-là est courbe. Hein, ce n'est pas un segment de droite. Donc ça, ce n'est pas un quadrilatère. Donc ça, je l'enlève. Alors celle-ci, donc les côtés, ce sont tous des segments de droite, donc ça c'est bien. Et puis on va les compter. Il y en a un, deux, trois, quatre. Donc c'est une figure à quatre côtés, qui sont des segments de droite, mais ce n'est pas une figure fermée, puisque ces deux extrémités-là. Ne se rejoignent pas, donc ça c'est pas un quadrilatère. Donc je l'enlève aussi. Ensuite il me reste ces trois là. Alors celle là, je pense que tu as déjà vu cette forme et tu sais très bien que ça s'appelle un rectangle. On va voir pourquoi. En tout cas c'est bien une figure fermée et elle a un, deux, trois, quatre côtés qui sont des segments de droite. Donc ça c'est un quadrilatère. Ici on a un quadrilatère aussi puisqu'on a un, deux, trois, quatre côtés qui sont des segments de droite. Et c'est une figure fermée, donc c'est un quadrilatère. Et puis là, c'est pareil, c'est un quadrilatère. Un, deux, trois, quatre côtés qui sont des segments de droite. Figure fermée, donc c'est un quadrilatère aussi. Voilà, là on a un peu exploité la définition, j'espère que ça t'aide à comprendre ce qu'est un quadrilatère. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que on peut voir des choses qui sont communes à ces quatre figures. Donc effectivement, il y a quatre côtés et ce sont des figures fermées. Mais tu vois que dans toutes ces figures, il y a un certain nombre de coins. Ici, dans cette figure, on a un coin ici, un autre coin là, un coin là et un coin là. Ici, c'est peut-être un petit peu plus difficile à voir, mais on a quatre coins aussi. Il y en a un là, un là et un là. Donc ça fait trois. Et un troisième ici, qui est un petit peu particulier parce que c'est comme si c'était un coin euh, rentrant. Ici, dans cette figure, on a quatre coins aussi. Les voilà. Un, deux, trois. 3, 4. Bon, j'ai pas dessiné les coins ici et tu comprendras pourquoi un peu plus tard. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que dans nos quadrilatères, il y a quatre côtés, mais il y a aussi quatre coins. Quatre coins. Alors, je mets ça comme ça entre guillemets parce que en mathématiques, on a un mot pour dire coin. On appelle ça des angles. Hein. Donc, en fait, dans un quadrilatère, il y a quatre angles. Et il y a une autre chose qu'on peut voir, c'est que, du coup, euh, dans chaque coin, en fait, il y a ce qu'on appelle un sommet. Ça, c'est un sommet. Ça, c'est un sommet. Et ça, c'est un sommet. Et ça aussi. Donc, on a quatre sommets ici. Et donc, un sommet, c'est le point de rencontre de deux côtés. Donc, quatre sommets ici. Dans cette figure, il y a aussi quatre sommets. Ici. Voilà. Là, il y en a quatre aussi. Un, deux, trois, quatre. Et là... 4 aussi. Donc nos quadrilatères, ils ont 4 côtés, 4 angles et puis 4 sommets. Voilà, donc tu vois, ce sont des figures géométriques pour lesquelles le nombre 4 est très important. Alors ce quadrilatère qui est ici, en fait tu vois, il a deux côtés qui sont parallèles. Hein, deux ce côté-là et ce côté-là. Sont parallèles, donc ça c'est ce qu'on appelle un trapèze. Et le trapèze, donc il a deux côtés parallèles. Deux côtés parallèles. Ce quadrilatère ici, tu sais que c'est un rectangle. et ce qui est particulier, c'est que dans ce rectangle, les angles ici, les coins, eh bien, ils sont très particuliers, ce sont des angles droits. et en fait, ça veut dire que dans le coin ici, tu pourrais placer, par exemple, une équerre, et les deux côtés de ton équerre suivraient exactement les côtés du rectangle, et ça serait pareil dans cet angle là, dans cet angle là, et dans cet angle là. donc, le rectangle, lui, il a quatre angles droits. Ensuite, ce quadrilatère-là, ce qu'il avait de particulier, c'est cet angle-là, qui est un angle obtus. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus grand que l'angle droit. Maintenant, on va regarder ce quadrilatère ici, qui est particulier aussi, parce qu'il a ce côté-là et ce côté-là qui sont parallèles. Voilà, les ces deux côtés opposés sont parallèles, et ces deux côtés-là aussi sont parallèles. Donc il a ces côtés opposés, deux à deux parallèles. Ça, c'est ce qu'on appelle un parallélogramme. Parallélogramme. Donc, c'est un quadrilatère qui a des côtés opposés parallèles. Parallèles. Et puis autre chose qu'on pourrait dire ici, c'est que les quatre côtés, ils ont l'air d'avoir la même longueur. Hein. Donc si effectivement ces quatre côtés-là ont la même longueur, ce que je note comme ça, hein, petit codage, ça veut dire que les quatre côtés ont la même longueur, et dans ce cas-là, ça serait un losange. Donc un losange, c'est un quadrilatère dont tous les côtés ont la même longueur. Côté de même longueur. Voilà, ça c'est juste un aperçu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire encore sur ces quadrilatères. D'ailleurs, tu auras peut-être remarqué que je ne t'ai pas parlé des carrés, qui pourtant sont des quadrilatères qu'on rencontre très souvent. Mais ça, c'est pour les prochaines vidéos. À bientôt!